Yo, l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous êtes avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois que vous visitez nos informations, nous partagez et intéressez-vous, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne de notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne là que j'ai une information sans problème. Individu moun pa rive identifié cassé paquet Port-au-Prince dans la nuit 10 pour l'ouvrir 11 mai 2022 à commissaire gouvernement Port-au-Prince Lamet Jacques Lafontaine qui confirme information ça réalisé journée jeudi 12 mai yon visite guidée avec journaliste pour capable évaluer dégâts qui enregistré yo chef fois qui a annoncé ouverture yon enquête pour rive jeune auteur co-auteur Zach ça pendant le préciser ben pas gagné dossier sensible qui perdu Lamet Jacques Lafontaine le fait connait il fait un pile effort pour empêcher action ça yo répété dans paquet Port-au-Prince pendant li évoqué nécessité pour autorité yo délocaliser tribunal première instance Port-au-Prince sous bicentenaire pour juger capable de travailler sans problème. Nous, nos situations, côté la Bible dit, la justice élève une nation et le péché, c'est la honte d'un peuple. Et lorsque la justice a fonctionné bien, pays a tout, ou bien impression de la machine. Parce que, moun yo, ou bien pouvez même ne qui fait ça, ou bien frère ou soeur qui est en détention. Donc ça, c'est son retard au banou, non, travail, on fait compte de détention pour le projet. Son retard au banou. Ou bien pouvez maman ou en prison. Il y a des soeurs, des familles, des proches en prison. Pour qui ça a fait ça là? Pour qui ça a fait ça là? Là où on est au côté même bagaille pour bouer là-bas, il y a le ventilateur, il y a la chaise, il y a la table, il y a avec le réfrigérateur. Oui, il y a avec eux. Pour qui ça a fait ça là? Bon, écoutez bien, on est nous bail un conseil légal, nous pourrons en mesure pour nous dire qu'il dossier est perdu. Même pour garantir, et que pas gagner gros dossier perdu, parce qu'il y a un lieu sûr. Ça c'est un. Si tu as un dossier qui a moins d'importance que samedi là, comme celui du président de la République ou bien le maître d'Oval, eh bien, dossier ça, la loi Banou, procédure au regard de l'article 48 du CIC pour nous reconstituer. Mais ça encore pour un retard à dossier avocat, à monde qui est en prison. Bien sûr que oui. Je prends expédition préservée le constat aujourd'hui à ou demain, le même juge de PA, et je vais soumettre un rapport en la circonstance au ministre, qui est mon chef de tutelle, mon chef hiérarchique, et que maintenant, il m'a prouvé on enquête sur ça. Moun kap dit, forme t'arrêté, mon côté moun balarité. Bon, on va y passer dans l'année du 10 au 11 mai. Bon, qui m'a dit là, au Paris, à rien de là. Bon, qui m'a dit là, balarité gratuite, ou d'accord même. Donc maintenant, ça, il faut nous comprendre que c'est une situation, c'est pas moun, pas un voie de la donne. C'est un qui a vili nous comme peuple, comme citoyen, comme moun qui a gardé les sociétés. Donc, je pense que tout le monde, ce n'est pas vous émouter pour dire que la personne a fait ça. Bon, si le job a besoin, vous demandez le prendre. Son situation qui a développé en bas depuis 2018. Et que maintenant, nous avons un commissaire là, qui a 17 policiers là-dedans. Et que monsieur, yo, pour question de sécurité, il allait faire route. Il est entré dans la base de l'éo. Mais bah, je me dis non. Tu es un inspecteur de police qui est responsable du commissaire là. Tu es un inspecteur de police qui est responsable du commissaire là. Mais yo va aller bam donner non. Bon est-ce que moi-même c'est moi pour mettre les policiers là, m'pas responsable policier du point de vue administratif. Ou d'accord? Maintenant c'est autorité pour qui mettez yo là, placé yo dans sécurité. Mais est-ce qu'on mandé ou vinn là pour tuer tête yo? Parce que ça n'est pas bon. Maintenant qu'est-ce que je veux dire? Il y a nécessité plus que jamais pour lever le tribunal là. Comme le ministre et mon chef hiérarchique t'a annoncé au moment de sa prise de fonction. Il t'a annoncé qu'il va lever, délocaliser par les justices là. Donc il y a nécessité plus que jamais pour lever lui. Et pour que la paix, la sérénité qu'a tourné dans l'esprit magistral, les a jugé, les a fait audience, commissaire gouvernement, et tout le monde en général, avocat, pour être capable de sérénité, la paix d'esprit, pour être capable de travailler normalement. On est la loi dit, magistrat pas capable de prononcer son dossier que le bras tendait. Il s'agissait d'une plainte qui était déposée devant moi, pas en partie, et bien, c'est parti à venir, m'a tendu. Gagné matière, m'a agi par matière, m'a classé sans suite. D'accord? Donc voilà maintenant le moins que je puisse dire dans cette affaire. La responsabilité n'est pas incombée à moi-même parce que je fais tout ça pour me faire, pour me rendre l'espace à sécuriser. Et remarquez que dans aucun espace, je sécurise là, il n'y a pas passé là-dedans. C'est dans tout le sourire de repasser. D'accord? Donc c'est un acte de dégapissement, de méchanceté, de cruauté, de banalisation de la justice et de l'État en général. Il n'y a pas besoin encore, il n'y a pas besoin encore parce que à la recherche du corps du délit, je veux dire ZAM, l'argent dans le dossier, et ou bien dossier important comme celui du président de la République, ou encore comme celui de l'ancien bâtonnier, assassiné dans les conditions que nous savons tous. Il n'y a pas besoin encore parce que dossier ça, il y a le sûr.
Ancien ministre jeunesse sport ak action civique là Evans Lescoffler qui accusé pour viol sur mineur pas répondre à invitation commissaire gouvernement pour président Ahmed Jacques Lafontaine Jean Saté prévoir pour jeudi 12 mai 2022 à cependant cabinet avocat li qui représenté par maître Jean Simon Saint-Hubert adressé une correspondance à chef Akia pour demander un report pour une date qui pour déterminer commissaire gouvernement pour président Ahmed Jacques Lafontaine dans une interview avec la presse fait connaît Akia compté faire suite à dossier ça et puis prend mesure Jean la loi prévoit ça. Nous avons gagné une plainte qui était déposée devant nous par maître Franck Van Pus, qui est avocat, partie victime dans le cadre de dossier ça. Et que maintenant, nous avons fait suite à plainte, nous avons voyé une convocation par M. Lescoffler qui a présenté aujourd'hui. Cependant, il fait avocat, lui, c'est maître Jean-Simon Saint-Hubert, et lui, pour aujourd'hui, on demande de report de cette invitation. Mais demande de report là, il n'est pas vraiment déterminé, il n'est pas fixé à qui date M. Lescoffler entend présenter le devant parquet. Qui c'est une formalité grave, non entend, fait suite à dossier ça et n'apprend mesure que la loi va nous prendre. Son droit le gagner pour demander le report là et nous accorder le report là. Mais cependant, il n'est pas fixé date, il souhaitait retourner, t'as présenté dans le parquet. C'est sous viol sur mineur, j'ai noté tant de vite. Donc, nous attendons de pied ferme, M. Lescoffler, pour présenter dans le parquet sur les faits mis à sa charge. Le cas contraire, le parquet a une obligation pour le prendre, mesure qui s'impose. Avocat dit que le parle étranger dès que le tournait. Mais m'a dit, maître Saint-Hubert, qu'on aime trop bien, pour dire Guy Lafontaine. Je m'appelle Jacques Lafontaine. Il n'y a pas Guy là-dedans. D'accord? Bon, une erreur matérielle qui est capable oui, accepter parce qu'il mettait commissaire du gouvernement. Donc, Jacques Guy Lafontaine, c'est un médecin. Alors c'est moi, mon avocat, mon commissaire gouvernement. Le principe de l'équipollant, en vertu de ce principe, nous acceptons que le commissaire gouvernement lui corrige Guy Lafontaine. Corrige Guy. De toute façon, la justice par une société secrète, on connaît quand même en temps opportun. Voilà, sur le côté, commissaire gouvernement, pas au Port-au-Prince-Lan, maître Jacques Lafontaine. Commissaire gouvernement juridiction Jacques Mel Lamet Lionel Chérima dans cadre d'un rencontre avec la presse fait connaître pas cap travail pour combattre détention préventive prolongée dans juridiction. Irané samedi. Commissaire gouvernement juridiction Jacques Mellan, maître Lionel Chérima, a déclaré parquet et tribunal civil Jacques Mellan a travaillé pour permettre de diminuer taux de détention préventive prolongée dans la prison civile Jacques Mellan. Côté prisonnier qui a souffert longtemps, il doit arriver jugé. Commissaire Lionel Chérima qui s'allie, décision barreau avocat qui a accordé un main levé dans le cadre de grève qui était lancée à reconnaître grève greffier au grand situation toujours compliquée et même paralysé bon fonctionnement la justice là dans la juridiction. Chef parquet Jacques Mellan montre nécessité pour gagner c'est l'île d'urgence cap bay justice à bioservice dans moment crise là commissaire Lionel Chérima gain levé avec sur la dispense que barwa te prend nous accueilli ça à bras ouverts parce que gars pile monde y a coupé dans prison y a violé droit yo généralement de conseil avec des canards tribunal là si ta ensemble avec doyen pour nous voir comment que nous ta avancé fait des bouchées doubles pour voir que nous ta déblayer prison côté que monde qui dans situation de détention préventive prolongée pour nous ta régulariser situation ça yo ça mérite à la caillou pour aller ça mérite condamné pour capable condamner tout mais c'est bien malheureux à côté de décision ça que nous prend parallèlement vinn gain grève des greffiers grève ça vinn paralyser situation nous dit que grève là yo bon nous d'accord mais généralement nos institutions quoi la justice le tribunal ta supposé dans civil d'urgence qui gain commissaire gouvernement doyen greffier en chef là la dani côté que pour gosser de bagarre qui ta supposé fonctionner pour fonctionner parce que justice là qui a vont nation jeune qu'on habitué dans des gens il pas d'accord supposé bloquer d'accord que au monde doit faire grève là mais il y a des fonctions qui occupé donc pas capable dans grève on pense que donc faut que réviser acteur réviser pour connaître que à côté de grève là supposé conseiller d'urgence qui créé autorité judiciaire dans sud-est lancé une mise en garde par quel que soit individu mal intentionné qui pensait être capable aller insécurité à ce département commissaire gouvernement Jacques Mella qui dit la justice avec la police pas jouer avec bandits sans pitié fait connaître la police déjà gain instruction pour appeler tout suspect. Maître Lionel Chérima toutefois, dit le compter sous collaboration même population. Responsable réseau national groupe sanguin résus en négatif au lancé jeudi 12 mai 2022 à 3e édition campagne sensibilisation sur question don de sang sorti mois mai 2022 pour arriver février 2023 en baptême Baissant, il y a un engagement citoyen dans toutes concernées. Coordonnatrice générale Renaxan, Nancy Léné fait connaître Renaxan, a organisé activité ça dans l'idée pour capable mettre sang disponible pour monde qui n'en nécessité, pour jeunes sang, spécialement monde qui victime dans
phénomène d'insécurité qui a fait rage dans le pays. Nancy, l'aîné, fait appel à la conscience citoyenne pour faire don de sang pour sauver plus de vie. Pendant l'invité, tout le monde dans collègue sang, Renaxan, a organisé 28 mai, qui a venu là, dans le local Sidekla, non Delma 83. Chaque année, Renaxan toujours lancé une campagne de sensibilisation pour nous capables de ramasser pochettes de sang et faire une collecte de sang pour maman yo. Dans l'occasion, on fait des mères. À Nessa, quand on parle, nous renforcer, pour que ça nous renforce, c'est parce que nous rendons compte que c'est avec un pile de difficultés pour nous arriver à ça, parce que nous pas sensibilisé assez. Malgré nous, là, notre travail souterrain, mais nous rendons compte que nous avons jusqu'à présent pour comprendre la nécessité pour nous impliquer dans le sang et besoin en pile. Nous-mêmes, comme professionnels de la presse, chaque jour, nous rendons compte des demandes. Et il y a des confrères de la presse, tout qui est victime de ça, et nous, c'est avec un peu de difficulté pour arriver à jeune sang pour eux. Anéa, nous lançons cette campagne-là, pendant le mois de mai, là, mais nous fermons en février, parce que février, c'est l'heure, nous toujours fait première collecte de sang nous pour Anéa. Et dans quatre campagnes, ça, nous avons rencontré diverses organisations, dans le droit monde, et protestants, secteur protestant, vaudouisants, et l'autre organisation qui travaille avec nous déjà, tant que Défenseur Plus, la police communautaire qui toujours travaille avec nous chaque année dans cette activité. L'idée, en fait, c'est de permettre aux organisations qui travaillent déjà sur le terrain et qui déjà gagnent ensemble de membres qui sont très actifs pour nous impliquer dans la question de dessin. Et ça fait nous mon thème, Anéa, qui c'est Baïsan et un engagement citoyen. Nous tous concernés. Nous rendons compte que la population, chaque l'heure où dit l'albaïsan, ils vont ensemble de prétextes pour parler. Cependant, le système n'a pas de capacité pour répondre à demande. Par année, le pays a besoin de 70 à 80 000 pochettes de sang pour arriver à répondre avec demande. Et en plus, CNTS n'a pas jamais arrivé à faire même 50% de quantité de sang. Ça qui vient faire que la majorité des gens qui ont besoin de sang dans le pays n'ont pas arrivé à jouer le sang à temps. Nous-mêmes, comme nous travaillons surtout avec les gens qui de résus négatifs, qui c'est le groupe sanguin qui est difficile, nous avons une fois nous renforcer la campagne. Nous avons fait la campagne, mais ce n'est pas des campagnes qui ont la jalade du tout, c'est volonté qui permet que nous fassions la campagne et nous arrivions très loin. Je remercie BIC qui, depuis 2020, a fait le premier don parce que nous toujours voulons prêcher par l'exemple. Et si nous avons un bon qui est ambassadeur, nous faut au moins les baissants. Et Big Baïsan pendant deux fois et il fait jingle et pour nous pour permettre que nous capables de sensibiliser beaucoup plus de monde. Je dis quel que soit monouille, quel que soit quantité l'argent gagné, quel que soit catégorie sociale pour la dans l'an, des problèmes problème sans nous dans même bateau. Nous sommes même longueur parce que pas gain un monde en Haïti je dis en a qui capable tête li on garantit. Non seulement il pas besoin pochette de sang, mais tout les besoin la privée jeune ni. Et c'est vrai qu'il y a une faiblesse au niveau de l'État, faiblesse au niveau de l'institution qui est là pour sensibiliser les gens. Mais nous-mêmes, comme citoyens, nous ne devons pas chita garder. Nous devons impliquer nous, gens nous capables pour permettre que gagne plus de sang qui est collecté à travers le pays. C'est vrai que Renaxan, aujourd'hui, dans la capitale, parce que nous pas gagné, ça nous a capable les moyens politiques nous pour nous arriver plus loin, mais nous voulons, dans le niveau que nous sommes capables, impliquer nous. Au sort de la coordonnatrice générale Renaxan, Nancy Lenné. Ambassadeur bonne volonté Renaxan, Roosevelt Saillant, beaucoup de balles, remercier responsable Renaxan yo, qui choisit comme ambassadeur, ça qui selon lui, c'est Pipiti Jessly capable fait après 22 ans, Nicaragua comme artiste pour sauver l'autre monde qui n'en nécessite sans. Artiste BIC encourage tout le monde, vienne participer dans la collecte sans yo pour sauver la vie monde qui en danger yo. Aussi en santé que Moukaye, si moun ki anvi ou nou mba ansan te malade. Donc, mwen kwe ke mouvman sa, Renaxan, son chans ou ben mwen pou m'util sosete a. Se pa, mwen ap fe inverse, men se pa inverse. Se yon chans ou ben ni mwen ni manager pou nou fe yon baya ki gen sens. Paske, yon nou sosete kote ke tout moun ap gade tet nombrike selman. Tel nombrike te se nou selman, depi se pa an de la kanou bala privé, se pa grave, se kay voisin an, e se ti moun voisin pa kal l'ekol, se pa grave. Et c'est le pape car l'hôpital là-bas, c'est pas grave. Même quoi que le temps avec réalité a montré nous que depuis environnement pas confortable, quelque soit quantité d'argent qu'on gagne, on pas confortable non plus. La preuve, nous plein monde qui là, qui plein l'argent, mais pas confortable parce que c'est ensemble que nous y est. Même absolument des mouvements, ça c'est pas capable encore. Parce que même quoi que nous gagnons trois mounes, quatre mounes pour grand messie. D'ailleurs, Dieu le vit à Haïti pour lancer un jour renouvelable. D'abord, donner une nouvelle, il montre un jour renouvelable. C'est on sortit renouvelable.
n'a vivre en durée de vie de on sortir renouvelable nous sortir rentrer de maquis donc moi crois que influence pas que mien hein, 22 ans de carrière pour l'amour pays ça ban moins dans niveau que yo capable c'est plus petit bagage m'ta capable faire de entrer dans un mouvement qui capable collecter sang pour voisin voisine d'ailleurs c'est pour propre nous même encore parce que moun k'a besoin sang c'est moun dans classe ba nous k'a besoin donc le nous entrer dans un mouvement comme ça c'est tête nous regarder encore et c'est un privilège pour moi dans un accent pour continuer bail sang le m'a bail pas beaucoup et c'est pour ça m'a image mais pour encourager tout le monde pas tant c'est le ou gè problème dans propre chercher résultat bail sans l'on capable parce que il peut-être pas servir vous même directement il va servir on ma tante on ami on famille. Et chaque fois que moi-même, moi gagne un monde qui sauve parce que je ne sens, même c'est pas sans pas mener au balai, même dans tête pas moins dit que bon bon satisfaction puisque c'est un mouvement que me la donne et me voulait utile parce que j'aime toujours les interviews. En tant qu'artiste, fanatique ou bien monde pays à nous tout ça est capable, qui c'est l'amour qui en tout cas il crée nous. Moi que il le pour nous tourner bas yo, ça est bas nous et c'est venir ambassadeur en accent, c'est façon pam pour me dire. Tout l'autre monde, que c'est un mouvement que j'ai besoin entre la dernière, parce que leur bail sans, c'est sans mettre chita en côté. Voilà, c'était ambassadeur bonne volonté Renaxan, Roosevelt Saignant, tout le monde connaît son nom artiste un BIC. Lors des formations, rectorat Université de l'État d'Haïti avait investi nouveau membre des Canaïo, nouveau membre des Ghana faculté de médecine et pharmacie, c'est professeur Bernard Pierre comme doyen, Marc Félix, civil vice-doyen cérémonial, s'est déroulé en présence d'un doyen sortant FM payant, professeur Jean-Claude Cadet, en discours circonstance, il félicitait nouveau membre des Canaïo pendant qu'il comptait sous lui pour mener à bien faculté. On a beaucoup parlé de Jacques-Stéphane Alexis, mais on n'a pas dit que Jacques-Stéphane Alexis était aussi neurologue de formation. Donc, vous avez tous ces neurologues qui vous ont précédé, et je répéterai le mot de Jacques-Stéphane Alexis dans l'un de ses romans. Monsieur le doyen Bernard, vous êtes le fils de l'avenir. Vous êtes le fils de l'avenir parce que c'est une faculté en plein essor que vous devez mener à bon port. Et nous comptons sur vous. Cette faculté a essaimé la médecine internationale. Cette faculté que vous allez en Afrique, soit au Congo, en Côte d'Ivoire, je me souviens bien du docteur L'Espérance, qui était l'un des médecins haïtiens les plus performants dans les années 70 en Afrique. Tout le processus de santé publique de l'Afrique a été construit par des médecins haïtiens. Docteur Fleurant aussi, qui était au Congo. Mais on ne va pas parler des États-Unis, parce que vous savez qu'à un certain moment à New York, la médecine new-yorkaise était conduite par des médecins haïtiens. Haïti n'a pas seulement servi, Haïti a aussi servi l'Amérique du Sud, et vous savez que il y a eu un contrat qui a été signé dans les années 50 qui précédait l'organisation panaméricaine de santé. Et ce contrat, Haïti a aussi signé ce contrat et nous avons envoyé des brigades de médecins haïtiens en Amérique du Sud. Que ce soit le Venezuela, l'Argentine, la Colombie et même le Chili, ce sont des médecins haïtiens qui ont construit ce système de santé. Voilà l'héritage que vous devez conduire à bon port. Et jusqu'au dernier moment, Salvador Allende, qui était dans les années 50 ministre de la Santé publique au Chili, entretenait toujours de bonnes relations avec les médecins haïtiens qui faisaient partie de cette brigade en Amérique du Sud. Nous comptons donc sur vous. Et je peux même prévoir qu'en 2026, vous serez encore là pour votre future élection qui est déjà acquise. Je serai avec vous, non pas en face de vous, ni à côté de vous, pendant votre mandat. Je serai derrière vous, attendant vos instructions pour pouvoir faire marcher ensemble la faculté de médecine. Le docteur civil est déjà bien connu dans le monde universitaire. C'est le fondateur de notre laboratoire, le LabNES, et le docteur civil est l'un des piliers du postgraduate
au niveau de la faculté de médecine pour aider les étudiants à préparer leur travail de sortie. On n'est pas encore arrivé au stade de thèse, mais on est au stade de travail de sortie et le nom du docteur civil est donc écrit en lettres d'or au niveau de la faculté de médecine. Le docteur civil a été formé en Europe. Je veux rappeler surtout au recteur s'il pourrait nous aider. Dans le temps avant le COVID, on envoyait nos étudiants en stage d'observateurs en Europe. Mais le COVID, notre situation socio-économique et sociopolitique, excusez-moi, a ralenti ce mouvement. C'est donc deux sommités qui prennent donc la relève après moi, après 10 ans, où on s'est sacrifié. On n'a pas fait du bon travail, mais on a fait ce qu'on a pu. Dans l'administration en général, et dans l'administration de la faculté, qui est une administration extrêmement complexe, puisque nous avons toutes les couches sociales qui forment le substrat de la faculté de médecine. La solitude du dirigeant est quelque chose d'extraordinaire. Docteur Bernard, docteur Civil, vous serez seul dans les moments difficiles. Je vous souhaite beaucoup de courage. Il faut savoir sourire dans les situations difficiles. Et je vous souhaite de tout cœur du succès avec un grand aide. Au sous côté là, dans un sortant faculté de médecine, à pharmacie, un professeur Jean-Claude Cadet. Gain nouveau doyen faculté de médecine et pharmacie, professeur Bernard Pierre, il prend engagement pour faire avancer l'institution. Et bien, pendant le souhaité collaboration pour bonne marche institution. Nous sommes dans l'enceinte du rectorat au cœur de l'université. Nous y sommes pour écrire une nouvelle page pour la FMP, une nouvelle page de l'histoire de l'université. Notre présence ici signifie que la faculté de médecine continuera d'assumer sa position comme partie intégrante de cette université. Aujourd'hui, nous, du décanat de la FMP, nous voulons prendre l'engagement de travailler avec tous les collègues et toutes les entités de l'université pour assurer l'épanouissement de cette dernière. Notre présence et notre participation active aux rencontres et aux activités du Conseil de l'Université témoigneront de cette collaboration que nous voulons franche et productive. La faculté aura besoin de l'ensemble de l'Université pour aborder ces défis. L'excellence académique, l'accréditation internationale, la vie facultaire. Nous comptons sur vous tous. Notre doyen, le docteur Cadet, vient de le dire qu'il y aura de la solitude. Mais excusez-moi, je sais que l'université sera toujours là et le doyen Cadet sera toujours là. Et en parlant du doyen Cadet, notre doyen émérite, il vient de passer 10 ans à la tête de notre faculté, de notre alma mater. Il a beaucoup donné. Il sera, pour l'histoire, celui qui a fait sortir des décombres les nouveaux locaux de la FMP. Je vous demande de vous mettre debout et de lui donner l'ovation qu'il vient. Docteur Cadet, recevez les remerciements de la faculté, de toute l'université. C'est ainsi notre témoignage de gratitude à votre égard. Docteur Cadet, vous avez promis d'être là avec nous. Nous ne vous lâcherons pas. Maintenant, permettez-moi de remercier tout le monde. Vous tous qui êtes là, nous remercions le recteur en particulier et les membres du rectorat. Nous remercions les représentants d'étudiants et de professeurs qui sont là. Nous remercions les invités, les proches, les amis, les parents et tous ceux qui vont nous accompagner. Merci de votre aide. Merci de votre support. Merci de votre présence ce matin. Au autre côté là, nouveau doyen faculté de médecine avec pharmacien professeur Bernard Pierre. On dit par le recteur université de l'État d'Haïti, professeur Fritz Santézom, dit content, nouveau membre du canard, gagne un projet ambitieux pour faculté qui s'est créé un nouveau laboratoire enseignement et recherche. Je suis très heureux de procéder ce matin à l'investiture du nouveau décanat de la faculté de médecine et de pharmacie. Une de nos
plus ancienne de nos plus vieilles facultés, une des plus prestigieuses. Est-ce qu'il n'y a pas rien encore? Ou bien est-ce qu'il y a un toujours? Et comment le capable avancer pour le capable de venir influencer et le capable de venir conduire ensemble avec vous dans Florida? Yes, www.fleeting.us. But also follow me on Instagram and send me a message pour me connaître qui est souillé, pour me connaître nos choses à sortir. Parce que si on a fait ça, nous avons plus de chauffeurs dans des applications pour nous. Mais vous voyez un message pour moi dans Instagram pour me connaître qui est souillé, pour me monter en faire application en mauvais pour vite court. Mesdames, messieurs, nous arrivons à la fin de la et je remercie nous que nous participons. Charles, je vous demande une question. Qui est Pierre Academy à sortir en mid-June? So mid-June, Pierre's Academy is going to be available. Mid-June, ok. Donc, je pense que là, mes amis, nous avons passé un temps, et bien, nous sommes obligés de passer. Je voulais remercier et tous les participants. Je remercie Pierre Laguerre, Abdel Fleeting, pour premièrement pour l'information que le motivation, inspiration que M. Bala a soya. Parce que quand pile monde qui a regardé le choix, et puis qui ne connaît pas ça pour faire avec carrière, avec la vie, qui est dans une situation difficile, et bien avec chose, ça peut-être que c'est une inspiration pour nous. Pour nous prendre exemple, Pierre, qui n'est même pas, monsieur pas campé devant quel obstacle, ok? Monsieur pas mangé rien, frère. Depuis mon problème, monsieur, manque de tuer, monsieur, à tout ça, monsieur continue à frapper, il continue à avancer, et nous, car, ouais, qui résultat, ça va. Le résultat, c'est que monsieur fait un compagnon qui a tué plus que 5 millions de dollars américains, et c'est pas un petit pari. Donc, félicitations, et félicitations, ma première, c'est Naomi, ma première, c'est Fritz, pour contribution, nous, pour choix, pour faire choix, son bel show. Et vraiment, moi-même très satisfait. Moi, c'est que je dis à la pile mon inspiré, à pile mon content. Et peut-être c'est pas l'occasion tout pour nous relancer petit business, pour nous relancer l'idée. Ensuite, pour nous pas quitter blocage, obstacle, faire nous camper. Depuis qu'on obstacle, contournez-le et puis continuez à pousser pour la boucle devant. Merci en pile. Moi, remercie nous, saluer nous. Et puis, à la prochaine pour 17e édition. Innovation Zone. Merci. Le ministère de Commerce et Industrie, chien, jeudi 12 mai, a un protocole accord avec Agence Investissement et Développement Entreprise pour faire promotion développement entreprise. Cérémonie signature accord salle déroulée dans le local ministère en présence en cadre avec employés de institutions. Le président conseil d'administration, Agence Investissement et Développement Entreprise, là, John Eric Desources fait connaître, selon une étude qui fait dans l'année 2012, révélée majorité entreprise a fonctionné dans informel agence aide et ministère commerce pour le travail pour mettre sous pied plusieurs autres programmes pour accompagner le développement l'autre filière yo ça capable créer à développer plus investissement dans pays selon John Eric Desources. Je suis heureux de renouveler au nom de l'Agence d'investissement et de développement d'entreprise l'engagement de toute cette équipe à travailler en faveur d'un mieux-être en Haïti. C'est un engagement en faveur de la création d'entreprises durables, de la richesse et de la redistribution de ces richesses à travers les emplois. J'ai donc le privilège de m'associer avec aide à une démarche qui vise le progrès et le développement. La formalisation de ce partenariat, c'est l'aboutissement d'une longue période de travail, mais ce n'est pas le but ultime. C'est une étape importante de collaboration qui ouvre la voie à des initiatives pour lesquelles nous avons un intérêt commun. Je m'en vais tout de suite parler de la formalisation et signaler que récemment, au début de cette année, le ministère du Commerce et Aide se sont donné la main pour appuyer un groupe de 200 entrepreneurs du secteur productif dans le nord et le nord-est du pays. Des études menées par le ministère du Commerce depuis 2012, puis par Aide et d'autres partenaires, ont montré qu'un nombre important d'entreprises dans cette économie vivent, fonctionnent dans l'informel. L'accompagnement technique des entreprises, le ministère du Commerce, depuis la dynamique post-séisme après le tremblement de terre de 2010, le ministère du Commerce a enclenché un vaste chantier qui appuie les entreprises. Aujourd'hui, vous savez, aussi bien que moi, qu'au ministère du Commerce et de l'Industrie, il y a un certain nombre de mécanismes qui appuient le développement des entreprises, dont le programme accélérateur, le programme des micro-PAC dont je suis fier, et le programme PAPEJ dont le ministre est très fier.
le plaidoyer pour le partage d'informations essentielles. Nous nous sommes donné la main en mars de cette année pour l'organisation de la 12e édition des Jeudis du MCI. Et bientôt, ensemble, dans le cadre de ce partenariat, nous devons organiser d'autres éditions des Jeudis du MCI. Le développement des filières, qui m'est très cher, et tout le monde ici au ministère le sait, avec le MCI, sous le leadership du ministre Saint-Jean, nous allons ensemble travailler de façon à mettre en œuvre d'autres programmes qui visent l'accompagnement et le développement des filières. Je veux citer en particulier l'organisation très prochainement des assises nationales sur le développement de l'économie bleue en Haïti. Ces espaces de collaboration rejoignent les grands axes stratégiques du ministère du Commerce et de l'Industrie et aussi la stratégie de aide en exécution pour une contribution substantielle au renforcement de l'écosystème entrepreneurial. Nous voulons être parmi les acteurs un point de ralliement qui facilitera une meilleure coordination des ressources. Nous sommes très reconnaissants du support offert par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Nous y trouvons l'expression d'une volonté au plus haut niveau d'amélioration de l'efficacité des interventions des acteurs du développement dans le commerce, de l'industrie et le renforcement du secteur privé. Je l'ai dit déjà en mars lors de mon intervention au campus universitaire de Limonade. Merci au ministre Ricardin Saint-Jean qui a compris la nécessité qu'ensemble nous travaillons pour que beaucoup plus d'entreprises se créent et se développent en Haïti. À nos partenaires et amis et à tous ceux qui nous supportent dans cette mission, par mon organe, Aide, vous dit un grand merci. Merci aussi à vous qui avez fait le déplacement, nos amis de la presse. Permettez que nous considérons votre présence comme un témoignage de l'importance que vous accordez à la vie dans un pays qui a besoin d'espoir. Ensemble, nous avons un privilège et une responsabilité. Nous pouvons reconstruire l'idéal haïtien par le travail, la formation et l'entrepreneuriat. J'ai dit avec conviction, travail, formation, entrepreneuriat. Au sous côté président conseil d'administration agence investissement et développement entreprise là John-Éric Dessos ministre commerce et industrie Henri Cardin Saint-Jean bon côté fait appel à organisation société civile pour accompagner l'état haïtien pour supporter entrepreneurs qui jouent un rôle important dans société haïtienne là protocole accord ça pour permettre MCI faire promotion et planifier tout développement secteur commerce et industrie selon ministre Ricardin Saint-Jean. L'état à lui seul ne peut accompagner tous les entrepreneurs dans le pays. L'État à lui seul ne peut accompagner tous les entrepreneurs dans le processus de montage de leur dossier de plan d'affaires, par exemple. L'État à lui seul ne peut assister les entrepreneurs dans la formalisation de leur entreprise. L'État à lui seul ne peut sensibiliser les entrepreneurs du secteur informel à se formaliser. L'État à lui seul ne peut contribuer au développement des filières, comme le président, mon ami de Aide, vient de le citer. Sur cette base, l'apport des organisations de la société civile s'avère d'une grande importance. L'activité de ce matin s'inscrit, je dirais, dans la stratégie du ministère que je dirige, ça va faire tantôt 10 mois, de développer de nouvelles synergies avec des acteurs de la société civile. L'objectif est simple, c'est promouvoir et planifier le développement du secteur commerce et industrie. Cette activité que nous réalisons ce matin avec Aide reste ouverte aux autres acteurs de la société civile qui souhaitent travailler conjointement avec le ministère du Commerce dans le but d'atteindre cet objectif que je viens de citer. Quand j'ai reçu la proposition de Aide de développer ce partenariat au ministère du Commerce, nous n'avons pas hésité même une seconde. Merci à Aide pour cette proposition et j'espère que la proposition, les résultats sont visibles dans les jours à venir. Les assises que nous allons lancer sous peu. Bien reçu du ministère, mais une. Il ne devait pas avoir une attitude consumériste, donc l'argent est là, il faut le dépenser. Non, il faut certes dépenser, mais de la bonne façon, de ce que nous obtenons. Et leur propre entreprise. Ainsi, ce partenariat avec le ministère du Commerce et de l'Industrie
vise à dispenser des cours dans le cadre des cours sur plusieurs thématiques, c'est-à-dire l'organisation du fonctionnement d'une entreprise, l'entrepreneuriat et l'entrepreneur, de l'idée de l'opportunité d'affaires au plan d'affaires, des processus de formalisation d'entreprise en Haïti. Ainsi, les étudiants, à la fin de leur cursus, pourront être à même de présenter des plans d'affaires et ils sont éligibles à pouvoir bénéficier de financement pour leur entreprise. Donc, dans ce contexte, comme je disais, assez difficile pour le pays, c'est un engagement noble que l'on prend aujourd'hui afin d'aider ces jeunes, afin qu'ils puissent eux-mêmes pouvoir non seulement pouvoir ouvrir leur entreprise, mais aussi de créer de l'emploi, ce dont on a grand besoin en Haïti. Voilà, sur ce côté-là, ministre Tourisme et Industrie Créative, là, Luz Curta, Cassandra, François, ministre Commerce et Industrie, Henri Cardin-Chignan, le fait qu'on ait signature accord, ça a témoigné volonté gouvernement pour développer le secteur touristique, là. Ministère Commerce pour le mettre à disposition étudiants, yo, cadres qui apprennent, yo, comment pour monter à quand enregistrer l'entreprise, selon ministre Henri Cardin-Chignan qui dit, MCI va accompagner étudiants qui présentent projet entreprise, yo. La ministre et moi, nous allons paraffer ce protocole d'accord pour ouvrir une nouvelle fenêtre de collaboration entre ces deux ministères, du même coup, lancer un signal clair, je dirais très clair, de la volonté du gouvernement conduit par le Premier ministre Ariel Henry de faire du développement du secteur touristique un axe stratégique pouvant permettre de contribuer à la relance de l'économie en Haïti. Le protocole va permettre au ministère que je dirige de contribuer au renforcement du cursus de formation qui est dispensé aux apprenants de l'école hôtelière d'Haïti. Mesdames et messieurs, est-il vraiment nécessaire ou est-ce qu'on a eu le besoin de rappeler que l'école hôtelière créée au cours de l'année 1950, une époque où je pourrais dire qui correspondait à l'âge d'or du secteur touristique en Haïti, avait pour but à ce moment et jusqu'à date de répondre à un besoin de formation dans les domaines de restauration, de bar, de l'hôtellerie, etc. Comment pourrait-on parler de développement du secteur privé aujourd'hui sans prendre en compte ces jeunes professionnels qui travailleront après leur cycle de formation comme guide touristique, comme accompagnateur, comme coordinateur d'événements, agent touristique, etc. Alors que ces jeunes, dans la majeure partie des cas, ont la nécessité de créer leur propre entreprise. À travers ce protocole d'accord, le ministère que je dirige, via le Centre de développement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, dont j'ai avec moi le coordonnateur, et s'engage aux côtés du ministère du Tourisme et des industries créatives pour apporter sa longue expertise aux étudiants de l'école hôtelière dans les domaines liés à l'entrepreneuriat et au management des petites et moyennes entreprises. Nous soulignons que ces dernières, les petites et moyennes entreprises, on pourrait les considérer comme le moteur de la création d'emplois dans tout pays qui se respecte. De cette manière, ces petites et moyennes entreprises, elles représentent pour nous le poumon de l'économie et peuvent devenir, si nous attelons à la tâche, la clé pour le relèvement de cette nation. Ce nouveau cadre de collaboration permettra au MCI de mettre des cadres non seulement du Centre de développement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, mais aussi de la direction des affaires juridiques qui va informer les étudiants, les étudiantes sur la manière de procéder à l'enregistrement de leur entreprise. De plus, le MCI s'engage dans la mesure des disponibilités à accompagner via ses programmes, les programmes qui existent déjà au ministère, un nombre de porteurs de projets issus de l'école hôtelière et ayant bénéficié de ces formations. Et le quota, on va s'assurer entre nous deux, on va déterminer le moment venu, comment on va faire pour trouver le quota. Madame la ministre, d'ores et déjà, je souhaite du succès à ce protocole d'accord et espère que ce partenariat ouvrira la voie à d'autres cadres de collaboration entre nos deux ministères. Voilà, sur ce côté-là, ministre Commerce et Industrie, Henri Cardin-Chignan, dans la cérémonie de signature protocole d'accord avec ministre Tourisme et Industrie Créative là, pour renforcer
cursus formation l'école hôtelière d'Haïti, particulièrement dans le domaine entrepreneuriat, management micro, petite à moyenne entreprise. Responsable Fondation Digicel yo montre yo satisfait pour réalisation fondation dans 10 départements pays en occasion 15e anniversaire création Fondation Digicel. Directrice exécutive Fondation Digicel la Sophia Swensky qui t'a préparé une question à Radio Télé Guinée vendredi 13 mai dans émission des quand fait connait Fondation Digicel qui vient construit 188 l'école dans tout le pays et puis fait formation pour 1700 professeurs avec directeur de l'école. Madame Swensky explique que Fondation Digicel investit dans l'éducation parce que Fondation croit dans l'éducation, c'est le seul moyen pour garantir mobilité sociale pour tout le monde sans considération spéciale. Après le tremblement de terre, là, nous avons pris un engagement pour nous construire 150 écoles. Nous avons créé l'école ça en novembre 2014. Et nous avons décidé que nous ne pas camper là. Ce jeudi, hein, nous avons 188 écoles que nous construisons à travers le pays. Et là, nous à travers le pays, c'est des petits raccoins, vraiment, nous pas contenter nous seulement de faire construction d'un chef-lieu, etc. Mais soit aller, par exemple, la Tortue, ou à genoux l'école, côté Digicel construit, ou à Jean Rabel, vraiment, dans le sud, dans tous 10 départements, pas gagné une qui pas gagné plusieurs écoles, qui fait que, je dis, nous gagnons 188 écoles. Mais je ne t'ai pas parlé. Il faut nous investir dans la formation. Ça, c'est le deuxième pilier, nous. Et à travers les années, nous avons formé plus de 1700 enseignants et directeurs de l'école. Mais quand il y a des gens qui disent, ah, chiffre, ça n'a pas haut. Mais ce n'est pas un petit séminaire, un jour que nous faisons pour enseignants. C'est un programme qui est vraiment passé sous 18 mois. Quand nous invitons, nous faisons 4 semaines de formation intense avec eux. Et après, ça, le fini, ça c'est formation résidentielle, ça veut dire matin, midi, soir, on travaille avec eux. Et après ça, nous sommes allés sous terrain pour voir une salle de classe pour monitorer si vous avez appliqué vraiment ça nous a montré. Et là, nous identifier qui l'a qu'il y a, nous faisons formation sur le point ça. Et troisième, disons, volet, c'est vraiment subvention, parce que nous connaissons éducation. Ce n'est pas le seul problème à Haïti. Ça veut dire que il y a des gens qui ont un problème d'accès à l'eau, il y a des gens qui ont un problème et joignent moyens de subsistance. Et c'est comme ça que nous investissons dans plus que 290 subventions à travers les années. Et c'est comme ça que nous venons gagner pour le 10e anniversaire, campagne combite pour le changement qui est là, je dis. Quatrième volet, nous vraiment, c'est volontariat. Disons engagement employé. Non? Parce que moi, toujours dit, si on a une chance pour travailler dans Digicel, c'est que l'été recevoir une éducation et qu'on bagaille l'éca contribuer à la société. Hein? Et nous organiser, pour l'année dernière seulement, nous organiser 21 journées de volontariat. Et bon, thème est très divers, il y a un qui c'est pour l'environnement, il y a un qui c'est pour remettre des places publiques en beauté. C'est des cliniques mobiles pour les gens qui sont handicapés. Donc, en gros, ce sont des bagages que nous vraiment avons en pile importance et que l'employeur aime en pile tout. Mm-hmm. Est-ce que nous sommes satisfaits de la réalisation non, pendant 15 ans dans le VIA? Bon, ça, oui. Nous sommes très satisfaits et nous toujours pour un petit recul tout pour qui ça te marche bien. Parce que l'idée, ce n'est pas pour faire des bagages pour dire ah, nous fait. Mais nous voulons vraiment investir dans des bagages qui apportent une bonne contribution et qui durable. Ça, c'est très important pour nous. Nous ne pouvons pas investir dans des projets que nous tournons l'année prochaine et bien, nous ne pouvons pas marcher. Et c'est comme ça que nous sommes venus avec un projet qui est le PASEC. Et l'idée du projet, ça, c'est vraiment pour améliorer le fonctionnement de l'école. Parce que ça, nous venons réaliser à travers l'année, c'est que grand pile l'école qui était pérenne, qui a travaillé bien, mais qui vient des difficultés financier, parce que nous connaissons la situation dernier et 10 ans ça y est très difficile en Haïti et nous avons l'école ça y est possibilité pour y monter une entreprise sociale côté l'école qui a fait un projet côté a fait comme pour qu'on y a comblé budget yo côté y a une difficulté
Et ça, c'est vraiment en fonction de tout niveau dans l'école, que c'est tout le monde, que c'est parents, que c'est professeurs, que y ait des structures solides pour y gérer l'école bien. Qui bon un pays en dit là, ça c'est action le plus visible. Par exemple, il y a des organisations qu'on a travaillé, yo dit bon l'ambre département sud-est, l'ambre département santé, la base moyenne, c'est nous mêmes comment a fait construction. Pays en c'est base nous. Ça veut dire que vous connaissez, nous sommes entreprises. Mm-hmm. Ce n'est pas une organisation et qui vient font bagaille dans, disons, le centre. Nous-mêmes, nous avons des clients de tous côtés et c'est une façon pour nous remercier la clientèle. Parce que pas n'avons pas une fondation, ce n'est pas un client. C'est leur client à dépenser qui fait que Digicel a des revenus, qu'il investit dans la fondation. Il n'est pas obligé de faire, mais c'est une décision qu'il prend parce que Jean Jolan a une philosophie que lui voulait contribuer par la communauté. Action sociale n'a posé son façon pour nous remercier et clientèle, c'est ça? Oui, parce que nous t'as rien, mais ouais, que Haïti t'a compris bon avenir. Et c'est façon par nous pour nous contribuer à avenir ça. À part que, compagnon, c'est sûr, payer tout taxe, etc. Très bien, mais il va y pas. Pendant 15 ans, tout bas, il va pas rose qui pique aux difficultés nous rencontrer dans les normales souterrains, dans l'action à poser. Est-ce qu'il y a des problèmes nous rencontrer? Et nous gommons quand même si nous gommons bon, à zéro. Pourquoi nous gommons? J'aime d'abord, une des plus grosses difficultés, c'est vraiment pour voir comment l'école, ou bien une belle école, ou former professeur, mais peut-être des problèmes financiers, m'a dit, professeur qui est formé, obligé, bon, il n'est pas obligé, mais il prend décision quitter l'école parce que le jeune n'a plus bonne opportunité de l'autre côté. Et puis tout, entretien l'école là, pas qu'à faire bien. Et c'est pour ça que j'aime dire, nous venons avec projet PASEC là pour nous investir dans l'école ça, mais c'est un investissement pour eux-mêmes qui ont revenu. Après ça, qui problème? Nous avons le même problème avec tout le monde. Ça veut dire que projet, un projet où tu as fait pour 300 000 dollars, qu'on y aura fait pour 500 000 dollars. Ça veut dire que le prix de construction monte en pile et nous avons un défi tout. Que tout le monde a, qui se veut dire, bon, problème. L'année dernière, nous avons un engagement après le tremblement de terre 14 août. Nous avons investi 1 million de dollars dans le sud pour l'école qui était tombée. Ah, mais on connaît, arrivé dans le sud, là, son problème. Qu'on y a l'heure à fond projet, yo mettons 10 ans, yo augmente les prix, parce que yo connaît que contractant, il y a des difficultés pour arriver dans le projet. Fondation Digicel pour vider lancé officiellement 6e édition, programme qui peut être combat pour changement qui permet la fondation li financer projet 25 finalistes concours. Directrice exécutive Fondation Digicel, Sophia Swensky, qui a répondu à une question Radio Télé-Guinée, vendredi 13 mai, elle fait qu'on est organisation qui intéressée au gain jusqu'à 22 juillet pour passer dans n'importe magasin Digicel qui est auprès de la Caillou, bien aller sur site fondation qui ici www.fondationdigicelhaiti.org. Madame Swensky encourage toute organisation yo participer, même si organisation t'est déjà participé dans l'édition passée. Fondation Digicel t'est toujours investi dans des projets. Mais nous pas de gens font campagne côté nous te font appel à travers tout pays. Et c'est pour ça pour 10e anniversaire nous décider un fond campagne, n'a fait 10 ans, 10 départements, 10 projets pour 10 000 dollars chaque. Et ça nous vient réaliser c'est que là nous fait campagne ça, nous vient jouer dans pile projet qui sorti dans tout département parce que très souvent en vent c'est l'ouest monde qui était connait fondation Digicel qui était le projet. Qu'on y a nous joindre, pas extraordinairement jour mais espère chez moi bon. Haïti qui a 146 communes. D'accord? Sur 146 ça yo, nous gain ta atteindre 137 communes. Dans le monde, nous arrivons dans le combat pour changement à travers les premiers 5 ans. Ça veut dire que nous jouons une application de tous côtés. Parce que nous faisons publicité dans la radio, nous faisons publicité dans la télévision, nous faisons bon, interview, même j'en appelle la jeudi, nous voyons SMS, médias, digital, social media, Facebook, Instagram. Mais tout, nous avons quelques côtés qui sont vraiment éloignés. Nous avons fait des réunions communautaires. Et c'est ça parce que nous voulons aider les gens qui ont plus de besoin. Et vraiment, à travers les premiers 5 ans de combat pour changement, nous avons financé 91 projets. Et puis, pour un montant de 77
millions de gouttes. Et année ça, on a lancé l'encore parce que vraiment, on me dit, c'est une grande fois, nous t'avons fait. Mais nous tellement satisfaits, ouais, combien d'organisations ont gagné l'idée pour faire un bel projet, mais c'est financement, il n'y a pas de cachet. Financement, c'est toujours un problème. Vous n'avez malgré une zone qui est très reculée, mais vous avez des projets, vous avez des idées d'entreprise. Et vous avez ça, vous avez besoin. C'est, ça veut dire, je ne vais pas l'imposer, vous avez besoin. Vous avez même besoin de communauté, pas vous. Maintenant, nous tout lancé, nous tout parti, dans l'occasion 15e anniversaire de la Fondation, nous tout lancé et 6e édition qu'on dit pour changer. C'est ça. Et avant hier, le 11 mai, nous lancé 6e édition qu'on dit pour changer. Et application disponible dans tout magasin Digicel et à travers le site web, nous, qui c'est www.fondationdigicelhaiti.org. Et www.fondationdigicelhaiti.org. Okay. Alors là nous arrivons sur le site là, nous allons et partie subvention, hein, on comprend, et c'est là que nous allons joindre demande. Mais pour moi qui n'a pas accès, j'aime dire tout magasin Digicel à travers pays gain et formulaire ça qui est disponible. Et monde qui voulait participer gain jusqu'au 22 juillet pour yo qu'être rempli tout formulaire ça yo. Son formulaire qui est simple. Hein? Et nous essayons de faire pour ne pas intimider le monde, pour faciliter vraiment que n'importe qui organisation à but non lucratif d'un pays hein, qu'à participer. Nous ne pas demander un pile, nous voulons que l'organisation enregistrée dans le pays, hein, qu'elle ait au moins 2 ans, et que l'y vraiment orienté vers la communauté. Hein. Ça nous pas blessé pas, par exemple, Sony ou un projet personnel ou rien. Et que ou décider d'appliquer. Ouais. Son projet communautaire pour besoin, pour qu'on impact sur plus de monde. Vous comprenez? Après ça, 22 juillet, toute équipe Fondation Digicel va commencer à analyser toute demande ça yo, pour nous voir qui laisse qui vraiment paraît pijam. Et n'a font sélection. Normalement, n'a publié liste le 6 septembre. Et pour ça, nous décider de Kembe. Normalement, nous connaissons Kembe à peu près 50. Sous ça, nous recevons. Ça, nous allons faire visite sur le terrain. Avec dit que si l'organisation camperait, nous allons camperait, nous allons visiter l'organisation, nous allons parler avec eux pour voir est-ce qu'il y a un potentiel vraiment pour implémenter le projet. Est-ce que le projet fait sens? Et est-ce que les vraiment répond à un besoin communautaire? Et c'est comme ça que nous allons sélectionner. Puis bon, yo, dans 50 ça. Et en décembre, nous allons annoncer qui organisation, normalement 25, finaliste. Et c'est comme ça que finaliste ça, nous invitons en janvier pour venir pour Port-au-Prince pour que yo ka présenter le projet devant le jury parce que nous voulons que le bal en fait de manière très démocratique. Et puis pendant yo là tout, nous profiter pour yo une formation sur gouvernance et pour les organisations à but non lucratif et tout en va y présenter faut nous bailler un petit cours qui ne monde qui pas qui peut-être pas gagne habitude ça comment présenter devant jury. OK, et c'est 25 finalistes en général. Oui, en général. OK, maintenant est-ce que une organisation qui était déjà bénéficié et subvention et fondation Digicel dans cadre des programmes combi pour changement, est-ce que le carré tourné vient postuler? Je suis content de Sonny qu'on m'a dit une question ça parce que justement, comme année ça on a fait 15 ans, nous mettons un petit changement dans le COVID pour changement et nous mettons une subvention, $15,000 US, côté un monde, bon, pas un monde, une organisation qui était déjà participé, qui était déjà gagné dans le COVID pour changement, car fonds de demande. Alors, c'est $15,000 ça réservé vraiment pour organisation qui était gagné déjà. Parce que, le gen ta gen, nou gen ta wè, ki historique yo te gen, est-ce que yo te fè un bon travail dans le premier projet, et c'est comme ça nous augmenter subvention à $15,000. Voilà, c'était directrice exécutive Fondation Digicel là, Sophia Swensky. Doyen tribunal première instance Tigouavla, Fritinère Duclair, nous avons en contact la presse d'autorité. On a un ministère de justice prend disposition pour joindre une entente à greffier pour permettre à appareil justice là débloquer dans la juridiction. Jean Meyers.
Grève greffier yo k'ap poursuivre sous territoire national là gen gros conséquences sur fonctionnement système justice là et spécialement la justice dans juridiction Tigouave. En pile dossier été bloqué à cause grève si là k'ap couru sous plusieurs semaines. Doyen tribunal première instance juridiction grand maître Pritzner Duclair encourager ministère la justice joindre un moyen pour satisfaire revendication greffier yo. 2 avril je crois, yon grève qui déclenché et c'est greffier yo qui gon mouvement indicatif y a fait, tant qu'on connaît il y a des accords qui ont été joints avec le ministère de la justice 2016-2017 et que l'accord ça semble que pas jamais respecté et que très souvent les greffiers ont été en grève pour demander l'application à l'accord ça. C'est comme ça qu'on est là, la vie en grève toujours sous mes revendications ça et que le tribunal là censé paralyser depuis plusieurs semaines, pas c'est pas le tribunal civil Tigola seulement, c'est tout tribunal yo, et que réellement on est capable de le tribunal là dysfonctionnel, dans le tribunal fonctionnel, donc il y a des conséquences sur la justice à bio, sur quelques monde qui est victime, qui a besoin de dossier hommage et devant la justice. Donc ça a posé un bon problème, mais nous n'avons pas de choix, nous avons subi la grève là. Et c'est ça fait, nous avons bien aimé que l'autorité concernée rejoigne une solution à ce problème. Ça. Nous entrons en négociation avec l'association de greffier et que nous capable de sortir un bagage qui est satisfaisant, qui permet de la grève à lever, que le tribunal peut commencer à travailler correctement. Situation toujours pas facile dans Gadabi commissariat central Tigouave qui transformé en prison depuis plusieurs années. Commissaire gouvernement juridiction en maître Pierre Eliott Paul qui conscient des situations compté sous support société civile là pour venir en aide avec détenu. Nous gain commissaire police là, commissaire Basile, commissaire Garigil, li fait un pile effort, li fait un pile effort pour voir comment améliorer conditions monde ça. Et c'est vraiment situation vraiment critique. Nous faisons appel avec la population, avec tout secteur pour venir au capable d'aider nous-mêmes dans la prison pour nous. Sauti mois mars pour arriver avril, quantité prisonniers continue à augmenter alors que les greffiers ont toujours été dans fait grève, ce qui empêchait surtout pas qu'ils fassent travail aux gens la loi m'a dit ça. Dans le dernier temps, la justice n'a pas dit rien dans le pays d'Haïti. C'est un système qui est dysfonctionnel presque dans toute intégralité. Alors que toute justice bio a marché des Timosso la justice, une situation qui crée un pile inquiétude pour un pile l'autre monde. Justice la tourne en pacte de corruption. Côté ces gros zones seulement qui gain accès à marchandises là. Jean-Méans Radio Guinée d'Haïti RGDH Tigouave 93.1. Ancien sénateur département d'Artibonite, là, Yuri La Tortue, organisé en conférence débat jeudi 12 mai dans la commune Wanamet sur phénomène insécurité dans le pays. Ajax Telusma. Leader parti politique Haïti en action AAA Yuri La Tortue présenté dans la commune Wanamet jeudi 10 mai 2021 une conférence débat sous thème vers des solutions adéquates face à la montée de l'insécurité en Haïti. Dans l'occasion ancien sénateur La Tibonite là s'est-il indigné par rapport à quantité monde qui a couru quitter Kayo presque chaque jour dans la capitale pays pour aller dormir dans la rue à cause neg examio qui pas suspend faire la paix dans pays d'Haïti. Faiblesse infrastructure en insécurité. Nous gagnons en question de politique de la sécurité. L'État contribue beaucoup plus à raffermir les gangs au lieu de raffermir les policiers. Je dis, il y a un travail qui nous fait et comme de fait, moi fait avec les policiers, avec les chefs de police, pour nous voir comment nous allons renforcer l'institution en attendant que l'État d'abord pour que les renforcer la sécurité en pays. Parce que je dis, ça est inacceptable. Des milliers de monde a quitté la caillou. Et la plaine, il y a tout côté. Je remercie Mounsema Gonaïv, Rabouti qui recevra un pile monde la plaine, un pile monde l'autre département qui recevra, mais il est acceptable. Mais la goncaille, et puis, il est venu. Yo la tauti kwè peyi a pa karete nan sitiyasyon sa liye ya. Fò genyon akòr an tout akte ki konsene yo pou retire Haiti kote liye ya. Men Ariel Henry se yon obstak pou rezoud problèm nan selon sal ta fè konnen. Te kon rakon ak Ariel e yon reprezentan de Montana, mwen kwè se pou prepare ta diyan. Nou men nou pou diyan. Nou panse ke peyi a fò l soti nan sa liye. Men fò Ariel kompren, an lè diyan lè pa ka rezoud pou diyan. Ariel, c'est un constat d'échec. Et moi, je pense dans le dialogue là qu'il y a fait une mise en commun pour que vous fassiez un gouvernement bicéphale ou de triumvirat, même incluant tout le monde, pas de problème. Mais cependant, avec Ariel, nous avons résultat pendant 9 mois. Nous allons faire un an là, le 7 juin, pour faire un an
côté que Matisse a bloqué. Et pendant nous, un an pas arrivé, nous voulons bloquer Nord à tout. Nous voulons que Gagné voulait envahir. Et tout le temps, Ariel, le 7 février, il dit bientôt, la libérer Matisse, mon bientôt, nous en mai. Ça veut dire que le pas capable. Consensus là, les doit fait pas pour négager le pouvoir, consensus là doit faire pour le bail population sécurité. Depuis pour ça, la pladonne, peine mondana à pladonne, pour changer le système ça, pour venir un système côté que bien faire gouvernance là doit aller joindre le peuple là. Ça veut dire sécurité, éducation, sécurité sociale. On a fait remarquer y a une conférence débat qui était vraiment animée entre participants et les conférenciers. C'est tout ça qui est pour eux avec le passage li, comme président Sénat République là, à Jastel Usma Wanamet pour Radio Guinée. Dirigeant mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti dans le département sud-est, nous avons en contact la presse plénière en faveur d'un dialogue sincère pour résoudre le problème dans le pays à Irani samedi. Des jours en jour, situation politique, sociale et économique pays d'Haïti a dégradé, alors que différents acteurs concernés n'ont pas nécessité pour chita ensemble et puis réfléchir sur l'avenir pays. D'après représentant mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti, Mokrena dans le sud-est là, Lucien Pierre qui plaidait en faveur d'un dialogue sincère par rapport à la crise pays d'Haïti a traversé dernier jour ça yo. Pendant le deal regret, dirigeant qui a dirigé pays d'Haïti dernier moment ça yo, pas vraiment exprimé sentiment patriotique pour pays. Maître Lucien Pierre. Moi tap toujours prêcher l'entente. On t'a toujours prêché pour que gagner chita parler sincère. Chita parler véritable fait pour un dénouement de crise haïtienne qui ruine pays, qui ronge pays. Et capable dire moi souffri dans corps moi, dans chair moi, dans âme et dans l'esprit lorsque moi pays décret maintenant état ça. Et puis moi tendez li gagner dirigeant et qui dirigeant qui pas joué rôle yo et peuple haïtien tout lui-même tout le pas joué rôle puisque s'il te joué rôle c'est lui qui t'a baillé le ton pour que mon t'a dirigé t'a connait le gain bagali pas qu'à faire et dans sens ça nous t'a gagné un lendemain meilleur nous t'a gagné un pays qui apprend direction pour venir un pays sérieux pour que peuple haïtien les joue rôle. Université dans tout pays joue un rôle important pour le développement communauté. Malgré dans le pays d'Haïti, l'université n'a pas impliqué vraiment dans le développement. D'après M. Lucien Pierre qui dit, doit y avoir une sensibilisation qui fait sur le rôle université pendant le fait qu'on est tout. Doit y avoir une prise de conscience nationale qui prend à travers l'université. La Commission nationale marché public clôturé en formation 3 jours au organisé pour plusieurs cadres dans primature ministère commerce à la mairie. Port-au-Prince, sous passation marché public bénéficiaire. Formation ça, recevoir certificat. Yo. Ministère commerce et industrie, si vendredi 13 mai, il y a un protocole à quoi qu'un ministère touriste pour renforcer le cursus formation l'école hôtelière d'Haïti, particulièrement dans le domaine entrepreneuriat, management micro, petite et moyenne entreprise. Yo. Responsable de la Fondation Digisalio montré satisfait pour réalisation fondation dans 10 départements pays à l'occasion 15e anniversaire création fondation. Fondation Digisal profite de lancer tout officiellement 6e édition programme qui porte nom Combit pour changement qui permet fondation financer projet 25 finalistes concours. Directeur général OFATMA, Dr. Carl François, dans le cadre d'une conférence pour la presse présentée. Justement, c'est les difficultés. Institution la dirigée a fait face à Dr. France 3 qui dit au Fatma de commencer à récupérer série l'agent quelques institutions qui doivent boîte là promettent pour résoudre difficultés au Fatma à connaître. Institut haïtien langue des signes clôturé vendredi 13 mai à une semaine de formation dans la langue des signes. Il est organisé pour 25 cadres consonnes worldwide pour permettre de communiquer avec Monsoudio.